Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Dofus Pro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une source d'XP qui est vraiment pas mal. Donc mon Yop a up level 192. Donc voilà. Et bon là il faut vraiment beaucoup d'XP pour up. Mais là je vais vous parler d'une technique pour les plus petits levels, donc entre 150 et 160, et ça explique vraiment pas mal. Donc voilà, alors c'est les koalak. Donc on est actuellement en moins 15, moins 4. Alors le zap il est ici, donc en moins 16,1. Voilà, si vous regardez, c'est à côté. Donc prenez le zap, quoi quoi, oups, le petit son de l'iPhone. Et alors, moins 5, moins 8, vous prenez ça et vous arrivez directement sur la zone Koalak. Voilà, alors, donc franchement, les combats, en fait, bon, ils XP pas énormément, j'ai envie de dire, si on n'a pas une très bonne sagesse, mais ça va quand même. Il y a beaucoup de groupes qui ont beaucoup d'étoiles. Donc bon, là, celui-là, il n'est pas vraiment énorme pour nous, level. Mais vous allez voir que si on enchaîne vraiment beaucoup des combats, par exemple en moyenne à 250 000 d'XP par combat, ça peut vraiment. Donc là, je vais essayer de faire le tchal. Donc on va faire une full carry. Donc là, 1 déjà. Hop. Donc on va faire lui. Voilà. Alors, donc ouais, ce que je disais, c'est que si on en fait vraiment, si on fait par exemple des combats de 1 minute, 1 minute pour 400 000 d'XP, franchement, si on en fait beaucoup, par exemple pendant 1 heure, ça fait vraiment pas mal d'XP. Donc moi, je conseille c'est une zone plutôt, ouais, au level, comme je dis, 150, 150, 160. Et ceux qui peuvent gérer bien vite, donc soit qui ont un bon corps à corps. Donc voilà, l'envoi 50 secondes et j'ai pris 340 000 d'XP, donc c'est vraiment pas mal. En plus, les drops peuvent se vendre cher. Donc voilà, là on va en faire un autre petit. Donc vraiment, c'est un bon. Donc là, on va essayer de faire le challenge. Alors, on va se mettre là. On va faire une puissance et un coup d'épée de Yop. Donc voilà, là, on voit que ça va vraiment super vite. Là, vous voyez bien que. Voilà, hop. Déjà, j'ai fait 4 morts en un tour. Bon, là, ça va être un petit peu plus long parce qu'il me semble qu'il a de la résine. Voilà. Il a un peu de résine, mais c'est pas grave. On va faire des concentrations. Donc avec la carré, pardon, ça aurait été bien plus vite, je vous l'accorde. Mais là c'est pour vraiment, là je vais essayer de faire les challenges pour vous montrer que ça peut vraiment bien XP. Clac, donc voilà, des petites épées de Yop. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Je sais pas si vous connaissez le youtubeur qui s'appelle Yakiz, donc dédicace à lui, il est sur mon serveur aussi. Et on va sûrement faire des duels commentaires ensemble. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et si tout ça marche bien, peut-être ouvrir une chaîne communautaire. Donc à voir, faudrait que vous nous dites. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans sa description. Donc vous pouvez aller voir, bien sûr. Donc on se fait des petites pubs mutuellement, franchement c'est quelqu'un de vraiment sympa, je sais pas s'il est encore connecté là. Voilà, Angus Roxor, donc si vous voulez lui parler, vous pouvez lui parler. Donc Angus Roxor, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Sinon donc voilà pour les koalak. Pour les koalak, je vous conseille soit d'y aller avec deux ou trois persos. Franchement, ça peut vraiment bien XP.
Et ça va super vite, comme j'ai dit encore une fois. Regardez là, celui-ci, 334 000 d'XP. On va voir en combien de temps je vais le faire, mais ça va vraiment pas être long, quoi. À part, voilà, il y a un tchal un petit peu foireux, mais bon, on va le faire. Ça va pas être long. Voilà, hop. Donc là, encore une fois, si vous cherchez une source d'XP assez bien, bah, franchement, prenez ça, c'est vraiment pas mal. Regardez là, en faisant un tchal, où faut utiliser un comment ça s'appelle, un point de mouvement. Voilà, hop, et on va lui mettre un petit coup de carry. Et normalement, ça devrait être terminé. Voilà. Donc on va voir en combien de temps. Donc 420 000 en 46 secondes. C'est vraiment pas mal. Donc là j'ai du XP. Alors on voit 1 million. Allez, j'ai du XP 1 million 5 en quoi? 3 minutes. C'est vraiment pas mal. Donc si vous bouclez ça toute une journée, je pense facilement vous pouvez faire 50-60% au level 192. Et donc vraiment au level 150, il y a moyen de passer 2-3 levels facilement si on boucle. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à faire tout ce qu'il faut. Vous mettez dans vos favoris, partagez la vidéo. Et gardez la bonne humeur, geekiez bien. Et je vous passe une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, salut tout le monde.